En Tunisie, plus de 2000 personnes se sont réunies dans la capitale pour manifester dimanche. Initié par la nouvelle alliance politique Front de Salut National, le rassemblement a dénoncé les agissements du président Kais Saied, qui gouverne et légifère par décret depuis près d'un an. Les manifestants ont demandé un retour à la démocratie et le respect de la Constitution. Nous n'abandonnerons pas. Nous serons là dans toutes les manifestations et dans tous les mouvements pour défendre nos droits, pour défendre la liberté et dénoncer ce coup d'État. Nous sommes en plein dans la dictature et ce n'est pas possible. Le régime démocratique est le destin de toutes les nations aujourd'hui. Le Front de Salut National regroupe déjà 5 partis politiques, dont le parti islamiste Ennahda, ainsi que plusieurs autres organisations de la société civile tunisienne. Fondé le 26 avril dernier, le groupe souhaite sauver la Tunisie de la crise profonde qui a suivi la prise de pouvoir de Kais Saied. Pour cette première manifestation de soutien à l'Alliance, l'organisation politique espérait réunir plus de partisans pour s'opposer au président.